Mon parcours finalement est simple. Au sortir de l'école de Faubois-Faumarme à Bruxelles, Van der Kellen, j'ai eu l'opportunité d'exposer au Japon. Donc voilà, j'ai commencé par l'Asie. Depuis, j'y vais régulièrement. Mais finalement, comme j'habitais en France, les expositions se sont aussi déroulées en Belgique, en Espagne, en France, en bref, en Europe. Puis je suis partie vivre en Afrique noire. Là, eh ben, j'ai continué à exposer. Et puis maintenant, j'arrive aux Antilles. Cette petite île pleine de charme, eh bien, je ne la connais pas beaucoup. Elle ne me connaît pas. Donc il faut que les présentations soient faites, qu'on se rencontre. Alors mon style, ce sont des couleurs, mais mon inspiration, elle est, j'allais dire, source de l'univers. Je suis inspirée de la nature, de la vie, des choses qui sont en vibration, en énergie. Et je pense que les gens qui ont une forme de sensibilité y ont accès avec facilité et que les autres se font séduire sans vraiment savoir pourquoi, mais ça fonctionne. Et bien, en toute confidence, personnellement, je pense que c'est pas un hasard si je suis ici en Martinique. C'est un endroit plein d'odeurs, plein de petits bruits d'insectes, de couleurs, c'est plein de richesses, ça gorge de choses, de vie, et ça me parle. Et ça me parle tellement que je pense que c'est un petit peu le lieu où ma peinture va trouver sa maturité. C'est une vérité qui est en moi. Elle n'engage que moi, mais ça me parle beaucoup. Alors, approfondir un petit peu le sujet de ma peinture. Cette école de Bruxelles, Van der Kellen, est en fait une école de faux bois, faux marbre, mais selon la technique du glacis flamand. Vous avez dû entendre parler certainement de Van Eyck, tous ces peintres qui étaient des maîtres en peinture et qui mettaient des années avant d'être peintres. Et bien en fait, à l'origine, la petite histoire pour ce glacis flamand, c'est que les gens sont partis en Chine et ont découvert la laque de Chine. Et ils ont été tout de suite amoureux de cette matière. Mais bien sûr, la technique de la laque, c'était propre aux Chinois. Donc en rentrant dans leur pays d'Europe, ils ont essayé, avec un autre matériau, de manière picturale, à reproduire la laque. Et c'est devenu le glacis flamand. Voilà, chacun ses secrets. Moi, personnellement, j'ai donc une formation de faux bois, faux marbre, et je détourne ces techniques pour créer ma peinture, qui est on va dire par définition, une peinture très colorée. C'est un critique d'art qui m'avait dit que j'étais une coloriste. Et le mariage de ces couleurs, en fait, a priori, je le maîtrise. Et
je joue avec les zones calmes et les zones chargées, comme le bois et le marbre, parce que le bois a un veinage, mais il a aussi des zones proches d'un nœud qui est chargé, et puis ça s'évase dans le long du tronc. Alors que le marbre, lui, il a des gros cailloux, et puis là où il s'écrase, il y en a des petits. Donc il y a toujours des zones pour reposer le regard, et des zones où c'est plus chargé, où l'imaginaire peut voilà, s'envoler, se régaler. C'est la vie, quoi. Donc tout rentre en jeu. Il y a mon inspiration, il y a ce que je crée, mais il y a aussi l'imaginaire de celui qui regarde et qui va rentrer dans la peinture, se l'approprier, se créer son rêve et puis partir, voilà, avec. Alors, mon heure préférée, c'est le matin. Parce que le matin, ça fuse tout seul. Mon énergie est là, c'est calme, c'est serein, je me régale. Et j'aurai grand plaisir de montrer à la Martinique cette belle île pleine de couleurs, mes couleurs. J'espère en fait que toute cette vie, tout cet amour, ce flux plein de belles choses, en fait, va toucher un maximum de cœur et que ça apportera beaucoup de bonheur.